Je n'ai pas bu d'alcool avant mes 21 ans. Pourtant, je suis pas américain. Hein. Allez, je vous raconte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi, donc c'est story time et je vais vous parler de mon rapport avec l'alcool. Mais avant ça, je dois quand même aller au travail. Alors, je resitue un petit peu les choses. Tout d'abord, je suis breton. J'ai actuellement 32 ans et effectivement, j'ai commencé vraiment à boire de l'alcool à 21 ans seulement. Alors, quand je dis vraiment à boire de l'alcool, j'ai jamais exagéré. Bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas eu des soirées où j'étais sous, enfin, où j'ai un peu abusé. Et c'est aussi parce que justement, je ne connaissais pas mes limites. Mais j'ai jamais adoré l'alcool, sincèrement. Je ne sais pas quand j'ai goûté pour la première fois de l'alcool. J'ai seulement deux souvenirs qui me reviennent. Tout d'abord, il y a une photo de moi à mes 10 ans où je suis avec une bouteille comme ça de cidre. C'était seulement pour le fun, hein, pour la photo. Le second souvenir qui me vient, c'est au mariage de mon oncle et de ma tante. Un cocktail était donné dehors, et donc je me suis servi un verre en pensant que c'était du jus d'orange. Et bien sûr, ce n'était pas le cas, c'était du punch. La gorgée est passée, mais difficilement. Et sans raison réelle, quand je suis arrivé à Paris, donc en 2011, eh ben peut-être que en sortant un peu plus avec des amis, avec des camarades, etc., c'est peut-être là que j'ai commencé à finalement boire un petit peu. Jamais trop, à part comme je vous le disais, à quelques soirées, mais globalement ça allait. Ensuite, mine de rien, c'était surtout aux événements avec Isabelle, mais là c'était du champagne et je pense que c'est justement l'alcool que je préfère. Mais si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que ce soir, je suis en affaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut.